Salut à tous, ici Tarscan pour le point raid. On se retrouve aujourd'hui pour une session d'invocation. Mais avant, un petit point d'information sur l'event autour de Monster Hunter et des persos obtenables. Au début, j'avais râlé en disant qu'ils étaient obtenables en version unique. Alors, c'est vrai pour un perso, le perso épéiste Rathalos, donc Rathalos Blade Master. Ça a été dit sur le Discord de Red Shadow Legends. Ils nous ont donné quelques informations. À partir de maintenant, on pourra invoquer les 4 autres champions, donc Xynogre, j'ai plus tous les noms, mais on en parlera après, ils sont dans les fois 15, 20, 25, et on a jusqu'au 5 mars pour tous les ramasser. Après ça, ce sera mort, ce sera perdu à jamais, on ne pourra plus jamais les ramasser. Je trouve ça toujours dommage, c'est dans une volonté d'une collab éphémère avec Monster Hunter, et surtout parce que Red est apparu sur Steam, vu qu'il ne le saurait pas, et aussi il y aura un cadeau. Si vous arrivez à ramasser les 5 héros Monster Hunter, Plarium s'engage à vous envoyer 2 tomes légendaires, 2 poulets rang 5, 50 multibatailles par paquet de 4, et 1000 d'énergie et 1 million de silver. Voilà, tout simplement. Ils nous disent de rester attentif aux prochains changements. Il va y avoir du rééquilibrage, il va y avoir plein d'autres trucs qui vont arriver. Je vous invite à aller sur Discord pour voir les choses. Si jamais vous avez du mal avec l'anglais, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous traduire les choses et de faire une vidéo où je vous explique tout en long et en large. Et aussi, le prochain clan versus clan sera sans récompense personnelle. Mais quand cette vidéo va sortir, je pense que vous serez pas mal au courant de ce genre de détails. Le montage et tout, vous connaissez le process. Alors, on va parler du x15. Voilà, donc x15, x20, x25. Là, moi, j'ai essayé d'avoir Gargante. Là, il y a... Pas Gargante, c'est un autre nom. Je suis désolé, je connais pas les noms bien par cœur de Monster Hunter. Je vous conseille aussi de choper elle pour la fusion. En fait, avec elle, on peut aller chercher des légendaires pour obtenir Lady Mikage. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, avec le x15, là, pour le néant, on peut obtenir Fatalis. Ah, je suis pas super chaud pour le faire. Et les éclats primordiaux ont exactement les mêmes choses. J'ai envie de dire très honnêtement entre nous, qui va essayer de choper une Valkyrie, une Rae ou un Ruel? Le personnage, je m'en rappelle plus de son nom. Moi, je vous dis, chopez-les. Enfin, c'est des persos qu'on n'aura plus jamais. Ils sont très bons tous les deux. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Enfin, j'espère que vous l'aurez fait au moment où cette vidéo va sortir. Je suis désolé, hein, de monter, de faire et tout, c'est toujours très dur, mais voilà ce que j'aurais sélectionné personnellement. Là, en plus, on est en événement de rush aux invocations, donc comme vous le savez, c'est les éclats sacrés qui sont les plus rentables. 3150 points, très honnêtement, c'est correct. Ça demande 6 éclats sacrés. Si vous êtes plus ou moins en endgame, ça se fait. Par contre, il y a une autre solution. Que je vous conseille si jamais vous êtes des plus petits joueurs, bah les éclats mystérieux, hein, j'en ai 2700, donc je l'aurais fait comme ça, très honnêtement, avec d'autres éclats. Mais voilà, avec les chances x15 et tout, on verra bien. De toute façon, je vais pas me spoiler, j'ai pas utilisé mon. Parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois avec mon RSL Helper. Il m'avait prédit, il m'a dit ah ouais, bah tiens, regarde, t'as eu ça. Alors, on va voir. Bon, Yana, on s'en fout. Elle est sympa, Morag Bouclérin, elle est sympa, elle a de l'allié attaque, des trucs. C'est cool, elle fait de l'ignore bouclier avec son A1. Plutôt sympa, elle a un petit passif aussi. Elle contre-attaque toujours quand elle a un buff renforcé sur elle. C'est plutôt sympa, c'est pas un perso de ouf, très honnêtement. Ah bah, c'est là déjà, donc je pense que ça y est, je vais avoir assez de perso pour aller faire... Parce que j'en ai déjà une, mais je l'avais un peu montée, donc ça me faisait chier de la... sacrifié, mais bon, pour aller chercher Lady Mikage, c'est plusieurs. Artimage, pardon, qui est pas forcément un perso... voilà, j'ai pas envie de m'attarder dessus, c'est un personnage... Léo qui est tiers, il fait pas non plus rêver. Masamoto. Allez, un petit leg, et si possible, c'est une Monster Hunter. Après... Faut pas trop s'exciter, on a encore du temps, il y a jusqu'à mars, après mars ça va défiler très vite, c'est dans 3 mois. Vous ne serez pas déçu de ce que vous aurez.
Attaque tous les ennemis. Alors, une AOE. Ouais, on en a déjà parlé. C'est sympa, Ambassadeur Letlin. Il avait servi pour une fusion. C'est d'ailleurs un des rares persos qui a le buff Raillerie sur lui. Et il peut le placer sur une cible alliée. C'est pas mal, lui. Lui, il peut le poser carrément. Il met du renvoi de dégâts tous les 4 tours. Il peut soigner. Il réduit la durée de 2 debuffs aléatoires sur tous les alliés. Ensuite, soigne tous les alliés à hauteur de 5% de leur PV max. Soigne de 2,5% supplémentaire des PV max pour chaque debuff dont la durée a été réduite. Sympa, tous les 4 tours. 4 tours, ça reste quand même assez faible. Ah! Putain de merde. Oui, bah je suis bien content qu'il y ait que ça passe à 20% de chance. Merci Belle. Un très bon perso, très honnêtement, qui était sorti il y a. Je dirais. 2 ans, sans, si je ne me trompe pas. 2 ans. Un personnage sympa qui met. Y a pas un bon kit pour maintenir votre équipe en vie. Tous les 3 tours du réanimé après la mort, d'augmentation de def. Elle est géniale pour de l'hydre. Elle est géniale pour le golem de fer, elle est géniale pour pas mal de contenu, elle a une super aura, elle augmente la vitesse des alliés lors de toutes les batailles de 24%. Et marche tombe son passif, soigne totalement l'allié ayant le moins de PV lorsque ce champion se fait tuer. Soigne tous les autres alliés de 20% de leur PV max, puis remplit leur ATB de 15% lorsque le champion est réanimé. Donc c'est une super synergie avec son réanimé après la mort, c'est super cool. Et avec ça aussi, elle peut échanger ses PV avec un champion pour mettre un invincible, soit du soin continu, enfin, c'est très long à lire, c'est très relou. Je suis content parce que ça me fait un doublon pour gardien de faction, mais je suis moins content parce que je veux l'autre, je m'en fous de merci belle. Je veux juste l'autre. Ah, putain. Ça a chargé et j'ai eu Malabar de siège qui est un bon perso. Je vous invite à le monter si vous êtes en début mid-game. Avec un ennemi, il réduit le compteur de tour de la cible de 15% et se trouve sous debuff réduction de def ou de vitesse. Ça peut être aussi bien pour. Comment dire Ouais. Iron Twin, ça peut se tenter. Volet de bois, il fait de l'augmentation d'attaque sur lui-même. Cette attaque est dommage, c'est que c'est centré sur lui. Et il fait. Possède. Ah, c'est bon, il attaque pas. Place. Ah, oui, si, il attaque tous les ennemis et il a 100% de chance, il peut booker tous les 3 tours, de placer un debuff réduction de def de 60% pour 2 tours. Et il place aussi un buff augmentation de taux crit et de dégâts crit de 30% sur lui-même pendant 2 tours, puis attaque un ennemi. Et il a 100% de chance une fois booké, tous les 3 tours une fois booké, encore une fois, de poser un debuff réduction de vitesse de 30% pendant 2 tours. Donc un champion quand même assez sympa pour de l'Iron Twin et d'autres types de contenu PVE. Je vous le conseille. Allez, allez, s'il te plaît. Ça va être. C'est une véritable déception. Deity le brumeux, je crois pas que je l'avais. Et il attaque un ennemi, il a. 30% de chance une fois booké de retirer un buff aléatoire sur la cible, possède également 20% de chance une fois booké de s'accorder un tour supplémentaire. Ça, c'est sympa. Il attaque tous les ennemis, possède 100% de chance une fois booké de placer un debuff réduction de def sur ses ennemis, du coup de 60% pendant 2 tours. Et accorde un tour supplémentaire si un debuff réduction de def est placé sur tous les ennemis par cette compétence. Sympa. Tout se joue sur le tour supplémentaire avec lui, en plus sur son A3. Les 4 tours, il peut se mettre une augmentation d'attaque de 50% et un buff d'augmentation de précision de 50% sur ce champion pendant 3 tours. Puis accorde un tour supplémentaire. Pas mal, ça complète très bien le kit. Et une bonne aura de précision des alliés de toutes les batailles de 40 points, surtout pour un épique. C'est sympa. Ouais, au niveau des notes, ça se sent. Même pour la guerre de faction, ça fait le taf. Urticata. J'en ai parlé récemment de manière de ce champion, c'est pour ça que je me suis permis de la skipper. Anax, pardon, je l'ai appelé Anarax. Anax, un super champion. Très honnêtement, un très très bon champion qui peut solo boom mal. J'ai déjà fait le build, il est très très sympa. Il faut le monter 60 si possible, mais 50, on peut faire déjà les premiers étages de boom mal avec. Un kit pas mal, il met de la réduction de def, réduction de précis, il fout des poisons, il met de l'affaiblissement. Se soigne et en plus il a un passif revenant, effet passif place un buff augmentation de def sur ce champion pendant 2 tours parce que ses PV tombent sous 75% et il se pose une augmentation d'attaque de 50% pendant 2 tours lorsque ses PV tombent sous 50%. Et il s'accorde un tour supplémentaire lorsque les PV de ce champion tombent sous 10%. Plutôt pas mal. C'est un très bon champion, il a des super notes. Anax, arrêtez de l'appeler Anarax.
Nanax, ouais, c'est du bon champion, j'en ai déjà un. Hein. Alors est-ce que... Et non. C'est quoi, je vais être gourmand. Je vais essayer d'aller choper elle. Je suis absolument pas dans ma pitié. Je vais essayer d'en claquer... centaine. De toute manière, si j'ai réussi cet événement, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'événement d'après. Je vous conseille aussi de bourrer, même si c'est avec des éclats mystérieux, votre box. Parce que lundi, ceux qui ont commencé tout de suite à ramasser... enfin, à collecter les events, les tampons pour récupérer Rathalos, l'épéiste. Eh bien, s'il est à 300... Eh bien, il va aller directement dans votre boîte aux lettres, Rathalos l'épéiste. Et du coup, pour le clan versus clan, c'est 500 points d'assuré. Donc, c'est une bonne petite astuce à prendre, donc je vous invite à le faire. Ça peut vous éviter quelques petits déboires. Franchement, je vous avoue que j'y crois pas trop. Hein. J'ai encore un axe. Course pot de fer. Et... comment dire. Il me pitié, je suis pas bien. Pas bien du tout. Visionnaire. Un champion de foufou visionnaire. Enfin, un Deity le brumeux, je suis abonné aujourd'hui. Alors, on va voir ça. Del, Pythagore, Vengeresse. Torux, longue épée. Bleu quand même. Bleu. Oh, l'animation, elle a été refaite. C'est beaucoup plus bleu qu'avant. Ou alors, c'est mon écran qui. Monstre mal créé, un très très bon champion. En dessus. Lui, il était génial en PVP et en PVE. Et surtout pour du contrôle contre l'araignée, il est vraiment, vraiment bon. Donc, avec ça, son A2 orage électrique attaque tous les ennemis. Possède 50% de chance de placer un debuff étourdissement d'un tour et place sur tous les alliés 3 tours. Enfin, il écrit un buff de 3 tours de bouclier égal à 25% des dégâts infligés. Donc, on le mettait avec un max d'autocrit, de dégâts crit. C'est une turbo AOE. Il mettait un super gros bouclier sur l'équipe et ça permettait de maintenir une équipe en vie. Plus, avec son A3 assez vivant, il place pendant 3 tours un buff de protection d'alliés de 50% sur tous les alliés sauf ce champion. Et il soigne ce champion à hauteur de 50% de ses PV max pendant 3 tours. Non, place pendant 3 tours, pardon, un buff de soins continu de 15% sur ce champion de tous les 4 tours. Et il a un passif, place un debuff peur d'un tour sur l'assaillant lorsqu'un allié fait attaquer alors qu'il bénéficie d'un buff protection de l'allié. Et là aussi, il a de l'étourdissement, enfin bref, c'est un très très bon champion, faut le dire. Jusque voilà, avec le power creeping qu'il y a sur le jeu aujourd'hui, on trouve forcément mieux. Nagashi. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hein. Je vous avoue que. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est de la gourmandise et je suis en train de flaguer des ressources. Oh, Colwyn Treedame. Ça devait être. Ah oui, c'est l'un des nouveaux rares de la faction des gardes Sylvain. Sombratel. Oh, allez, une petite dernière et après, on arrête. Ce serait de la boulimie. Et allez, allez, allez. Heureusement que j'ai dit que ça devait être une session d'invocation. Ouais, on va s'arrêter là. C'est pas mon jour. Je vous avoue, c'est vraiment pas mon jour. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et l'avantage, c'est... On peut se dire que le gardien de faction des revenants chevaliers va gagner les premiers 10%. Énorme, hein. Faut jamais négliger ça. Ça fait vraiment toute la différence. Juste dégoûté de ne pas avoir drop le légendaire que je voulais. Honnêtement, merci belle, je m'en fous. Après, je me rassure en me disant que j'ai quand même jusque le 5 mars pour les ramasser. Et je pense que y a des événements, je vais y aller à fond. Pour je voulais aussi choper des tomes de compétences légendaires et des tomes mythiques parce que je suis plus très loin pour obtenir Lady Mikage. Et ce serait dommage d'avoir un super héros mythique et de pas pouvoir le book. Et je pense que je vais aller choper le festin pour 90 éclats mystérieux. Enfin voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai eu de la chance. Chance folle de toute façon. J'ai eu Georgie. J'ai eu plein de bons champions cette année. Même l'année d'avant. Enfin, j'ai déjà bien commencé cette année pour ma session d'invocation du nouvel an. Voilà, on peut pas avoir de la chance pour tout et tout le temps. Je vous en souhaite d'en avoir plus qu'à moi. C'est Arscan pour le point raid. Ciao.